Depuis un moment, j'écris des articles sur la communauté de communes et le dernier portait sur la façon d'améliorer le fonctionnement de cette communauté de communes. Et je faisais un certain nombre de propositions qui tournaient autour tout de même du fait que j'ai l'impression, et j'ai suivi des conseils communautaires dans le mandat précédent, qu'on a une organisation qui est plutôt pyramidale, avec un président de communauté de communes qui s'organise avec une sorte de garde rapprochée de vice-président, et ce bureau prépare donc les points de l'ordre du jour, et on arrive finalement à ces réunions de conseil communautaire, on a un peu l'impression qu'on est là juste pour voter, oui ou non, mais sans possibilité de débat. Et ça, c'est quelque chose qui me choque un petit peu. Je voudrais que cette impression de chambre d'enregistrement disparaisse au long du mandat, qu'il y ait véritablement un échange sur tous les points de l'ordre du jour. Une possibilité, par exemple, c'est d'associer les membres élus communautaires non maires, donc non membres du bureau, à la préparation de l'ordre du jour. Ça me semblerait quelque chose de tout à fait facile et opérationnel et démocratique. Moi, j'ai l'impression que les propositions qui sont faites à la Commission sont amenées ensuite au Conseil communautaire et qu'il faudrait les voter sans débat. Moi, c'est ce qui me gêne le plus. Et ça me gêne d'autant plus que j'ai quand même connu le fonctionnement dans les mandats précédents, que j'ai vraiment souffert de ce manque de débat. C'est pour ça que je ne veux pas revivre en fait les mêmes choses. Donc, pour moi, le débat, il est important. Il doit être au sein des commissions, c'est ce qui se passe, mais il doit se poursuivre au sein du Conseil communautaire. Et on a le droit, bien évidemment, d'avoir des idées qui vont évoluer entre la commission et le conseil communautaire. Et puis, force est de constater quand même depuis le début de ce mandat que lors des commissions, des propositions ont été faites et malheureusement, on les a aménagées, on a changé quand même certains termes de ces propositions et après, on nous les fait voter en espérant qu'on ne se rende compte de rien. Je suis un jeune élu conseiller communautaire, jeune au sens où c'est la première fois que je suis élu dans un conseil quel qu'il soit. Auparavant, en fait, moi, mes engagements, c'était surtout de créer des débats citoyens. J'ai animé pendant longtemps des cafés citoyens où effectivement les rencontres qui pouvaient durer sur plusieurs heures étaient là pour discuter, pour se faire croiser des avis divergents, pour confronter différentes idées et pour essayer en fait de comprendre les autres qui voient les choses différemment. Pour moi, ce que je vois là au conseil communautaire, c'est que ces débats, franchement, ils sont quand même assez pauvres, hein, puisque pour beaucoup de délibérations, il n'y a pas de discussion. Ça enchaîne un vote qui est assez souvent unanime et sans discussion. Que les seules discussions qu'il y a eu, les seuls débats, ben, c'est nous trois qui les avons amorcés parce qu'on a posé des questions ou bien on a émis des avis différents. Moi, je trouve que cet engagement qu'on a à travers ce groupe, c'est pour essayer de renforcer vraiment le débat, qu'il y ait vraiment des discussions. Et pourquoi moi j'y tiens? Bah, déjà, c'est des choses auxquelles que je tenais auparavant, c'est des choses dans lesquelles je me suis engagé. Mais ce que je vois dans le territoire, c'est qu'il y a des citoyens, on est 18 000, qui a des avis complètement différents sur un ensemble de questions, et qu'au conseil communautaire, on a l'impression qu'il y a un seul avis qui est mis sur la table et qu'il y a une seule ligne de conduite. Bon, moi, j'ai envie qu'il y ait des positions et des vues différentes. S'agissant donc du vote à bulletin secret ou du vote à main levée, c'est vrai que sur certains votes, s'il y avait un vote à bulletin secret, je pense que certains élus communautaires voteraient différemment. C'est vrai qu'ils sont souvent soumis un petit peu à une pression amicale des autres élus communautaires, voire de leur maire, et sont des fois peut-être un petit peu gênés, peut-être, de voter différemment. Il suffit de regarder les regards quand on doit voter. Donc le vote à bulletin secret peut-être amènerait à des votes un petit peu différents. Mais au-delà donc de l'expression même du vote, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout à travers ce groupe d'expression, c'est d'être sûr que lorsqu'on fait un vote, chaque élu communautaire s'est bien approprié donc le dossier sur lequel on va voter et qu'il ait bien compris le sens de son vote. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important que le résultat du vote en soi. Et c'est vrai qu'un autre exemple donc de démocratie, ce serait pourquoi pas à l'issue du conseil communautaire de laisser la parole aux membres du public présents qui puissent poser une ou deux questions sur l'ordre du jour du conseil communautaire, de telle sorte qu'on puisse aussi là encore nourrir un débat citoyen. Un vote à bulletin secret. Alors,
Moi, en fait, je suis légitimiste, hein, je connais le règlement, l'intérieur. Il est possible, en fait, quand un tiers des membres du conseil communautaire le demande. Donc, dans la mesure où il n'y a pas assez de personnes qui le demandent, je pense qu'on peut voter à main levée. C'est différent, effectivement, de voter à main levée que de voter par le secret, parce que bah, l'expression, soit on l'affiche, soit on l'affiche pas. Donc quelquefois, il peut y avoir, pour c'est pas mon cas, mais il peut y avoir peut-être pour certaines personnes, des conseillers qui soient un petit peu gênés de s'afficher et de voter à main levée, alors que peut-être, en votant un bulletin secret, le vote serait différent. Si c'est le cas, effectivement, ça pose une vraie question, et peut-être il faudrait essayer à certains moments pour voir si du coup les résultats seraient différents. Je suis, moi, farouchement en faveur du vote à main levée. Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt un adepte du parler vrai. Et je me rends compte effectivement que certains vont s'empêcher d'apporter leur parole et préféreraient que ce soit à vote secret. Mais je pense qu'à la fois, nous devons à la démocratie de présenter nos idées de façon transparente. Et nous le devons dans les conseils communautaires, parce que dans les conseils communautaires, nous sommes entre nous, mais nous sommes aussi devant un certain nombre de personnes citoyennes qui sont venues voir les débats, et je trouve très bien qu'elles identifient les positions de chacun des élus, de leurs élus communautaires, même si elles ne votent pas directement pour eux. Oui, un autre exemple pour favoriser un petit peu le débat donc citoyen et la démocratie, ce serait peut-être de faire varier donc l'heure du conseil communautaire, puisque prévoir un conseil communautaire systématiquement à 14h30, il est vrai que on va s'exclure d'un public salarié ou qui ne peut pas se libérer sur de tels horaires. Et puis d'autre part, la fréquence même des conseils communautaires sur ce mandat, donc on est à un conseil communautaire tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, ce qui nous amène à un ordre du jour beaucoup trop dense, et donc on n'a pas place ensuite, bien évidemment, à de légitimes questions avec les membres du public, puisque le délai imparti donc serait beaucoup trop court. Je suis en faveur, moi, de décaler effectivement les horaires de tous les conseils communautaires, si c'était possible pour l'équipe, fin d'après-midi, 18h-18h30, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de participants citoyens à ces débats, parce que pendant toute la mandature précédente où j'ai assisté en tant qu'observateur à pratiquement tous les conseils communautaires, en dehors des journalistes, il y avait 5 à 10 personnes à chaque conseil communautaire. Pour 18 000 personnes, c'est quand même pas grand-chose. Et le deuxième point, c'est que je pense que nous devrions également limiter la durée de ces conseils communautaires, parce que c'est trop long. Et pour diminuer leur durée, c'est-à-dire passer à en gros 2h30, 3h, je pense que c'est un gros maximum, au-delà de ça, c'est pas possible. Si on peut faire 2h30, c'est très bien. Il faut bien sûr rapprocher les séances de conseils communautaires. Tous les 3 mois, c'est une décision qui a été prise par le président de la communauté de communes pour l'instant. Et je pense que c'est insuffisamment, ça ne permet pas de traiter de manière correcte l'ensemble des dossiers qui sont quand même abondants de notre communauté de communes. Donc pourquoi pas tous les 2 mois et 3 heures de réunion à partir de 18h, 18h30. Alors la question des horaires du conseil communautaire, pour moi, c'est pas un détail. C'est pas un détail parce qu'entre se réunir le soir, l'après-midi ou le samedi matin, c'est pas la même chose parce que en fait, les participants, bah, ce sont pas les mêmes. Alors je parle du public. Un public qui est actif, hein, qui travaille, peut venir à 18h, ne peut pas venir à 14h30. Et c'est vrai que je crois que la CDC doit se rapprocher des citoyens. Donc si on veut que les citoyens viennent assister à ces réunions, il faut de préférence le faire le soir. Alors pas tout le temps le soir, ça peut aussi être à certains moments l'après-midi, mais si c'est systématiquement l'après-midi, il y a des gens qui sont confisqués, leur présence ne peut pas se faire parce qu'ils sont bloqués. Et en même temps, moi qui suis nouveau, comme je le disais tout à l'heure, je vois aussi que parmi les conseillers communautaires, bon, il y a beaucoup de personnes en âge de la retraite. Je me dis aussi que il faut aussi qu'il y ait des jeunes qui viennent dans ces instances. Et c'est vrai que s'ils voient que c'est sur le temps de travail, peut-être c'est déjà quelque chose qui les bloque pour peut-être s'engager sur le prochain mandat. Autre chose aussi pour se rapprocher du citoyen, moi je pense aussi en dehors des horaires que peut-être le lieu peut-être évoluer et qu'on peut aller dans certaines communes
faire ce conseil communautaire, tout simplement pour qu'il y ait d'autres personnes qui soient plus à proximité et qui puissent au moins une fois venir assister à ces réunions.